Et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va parler de la fameuse génération Z et on va se poser la question de savoir si c'est une génération tribale. Vous le voyez qui s'affiche à l'écran. Nous sommes en compagnie à ma droite de Vincent Coquebert. Vous êtes journaliste, auteur de Millennial Burnout et plus récemment de La génération du cocon qui n'est pas une suite mais qui est une nouvelle enquête sur la jeunesse partant de Covid. Et à ma gauche, Emmanuelle Henry, vous êtes directrice des études et de la prospective de la maison, de toutes les maisons, puisque vous êtes directrice de prospective chez Radio France. Alors d'abord, on va peut-être se poser une question avec vous deux, et je ne sais pas qui veut se lancer, sur est-ce qu'on a raison de faire ce débat? Est-ce qu'on peut vraiment, encore en 2021, parler de génération? Est-ce qu'une seule date de naissance, entre 1980 et 2000 pour les milléniaux ou post-2000 pour la Gen Z, est-ce que ça suffit vraiment à faire une génération? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les filles qui sont décrites par la sociologue Yalem Salem Tanguy dans Les filles du coin, qui ont grandi dans des milieux ruraux très très encaissés, et puis la monographie qu'on a vue sur l'école alsacienne cette semaine où dès le collège vous côtoyez des fils de ministres, des fils de PDG du CAC? Est-ce que dans une France où il y a de plus en plus le destin au berceau, pour reprendre le titre du livre de Camille Penny, et j'arrête avec les suggestions de lecture, mais je sais que normalement il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, on est dans une période de l'année où vous avez normalement encore le courage de lire, est-ce que c'est encore bien honnête de parler de génération en 2021? Allez Vincent, lancez-vous. En tout cas, c'est un refrain qui ne date pas d'hier et qui continue de s'intensifier, cette lecture-là générationnelle du monde, et qui a aussi beaucoup à voir en fait, avec notre fascination pour la jeunesse, notre difficulté à concevoir que la jeunesse n'est pas un groupe social, mais est une étape de la vie, et qu'on a tous été jeunes, et que ça n'a pas duré très très longtemps, mais qu'en tout cas, ça ne nous a pas déterminés, en fait. Ça n'a pas fait de nous en fait, des êtres foncièrement différents, parce que nous sommes des êtres en construction dans ce moment-là. Et en fait, la lecture générationnelle, j'ai l'impression qu'elle, malgré les limites qu'elle implique, évidemment, on a le capital culturel, le capital économique, la situation géographique, c'est vraiment beaucoup plus déterminant que la simple cohorte, le fait simplement d'être né dans la même cohorte. Mais malgré tout, parce que la jeunesse reste une fascination, parce qu'elle nous échappe de manière permanente, on continue en fait d'actionner cette grille de lecture-là, qui à mon sens, oui, est assez fallacieuse, parce qu'elle nous fait voir souvent en fait une jeunesse un peu fantasmée, sur laquelle on plaque nous nos peurs, nos attentes, nos espérances et quelque part qui sert un petit peu d'interface à toutes les grandes problématiques en fait, qui sont plus des problématiques d'époque que des problématiques de génération. Donc je pense qu'en fait le discours générationnel et même l'espéranto générationnel, parce que ça devient un petit peu ça, est un des pièges, mais un piège séduisant parce que c'est ludique, parce qu'on aime bien aussi dans cette ère des identités avoir peut-être même des repères historiques pour se dire je fais partie de telle ou telle cohorte, je fais partie de telle génération et j'ai des choses à partager avec d'autres personnes qui sont nées au même moment. Dans votre ouvrage précédent, donc Millennial Burnout, le sous-titre, en fait, c'est que le burnout qu'ils subissent à force de leur jeunesse, c'est le regard que nous, on porte sur leur jeunesse. Il y a quelques jeunes, il y en a encore eu cette année, qui mettent en avant cette jeunesse pour parler de génération écrasée ou scarifiée, et donc du coup se mettre eux en avant, qui recommandent, qui revendiquent des parties de jeunesse. Mais la fascination pour la jeunesse, c'est quand même nous. C'est nous qui allons sur TikTok et qui essayons d'empiéter, qui leur laissons même pas la possibilité d'être jeunes. C'est pour ça qu'ils étouffent un peu, non? Bien sûr, mais d'ailleurs, c'était à l'époque où c'était le terme génération Y qui était très à la mode, il y avait eu une étude qui avait été faite où 84%, je crois, en tout cas de ceux qui considéraient comme faisant partie de la cohorte de cette génération Y-là, disaient qu'en fait, ils ne se reconnaissaient pas du tout dans cette labellisation générationnelle et qu'en fait, ils y accoleraient plutôt des adjectifs négatifs. Donc ça montrait bien qu'en fait, même cette lecture sur lesquels on disait on va vous lire, on va vous regarder, un peu comme c'est une sorte de documentaire animalier en fait, sur lesquels on dit tiens, c'est la famille, c'est plus la famille sur I4, mais c'était la génération Y ou la génération Z. Eh bien évidemment que ça, c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on est quand même dans une époque où on doit et c'est plutôt une très bonne chose, on fait de plus en plus attention à tout ce qu'on doit dire au niveau et tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit, la manière dont on doit penser, les valeurs aujourd'hui. On ne peut plus faire de désensialisation, mais on continue de faire d'essentialisation à travers l'âge et à travers les cohortes. Et c'est assez fascinant, je trouve. Ouais, très, très juste. C'est vrai qu'on ne peut plus dire les femmes. En revanche, on peut dire les jeunes. Donc je pose la question à
une femme et à une jeune. Emmanuel Henry, vous, en tant que directrice des études, vous avez évidemment besoin de chiffres et puis de faire rentrer aussi parfois un tout petit peu, c'est pas grave, les gens dans des cases, donc la case 18-25, ça reste pratique. Est-ce que c'est encore honnête de parler de génération aujourd'hui? Alors bah, effectivement, je suis assez fan à la fois de cases et de chiffres, mais c'est pas mal pour les dépasser. Et notamment, je rejoins complètement Vincent sur le fait qu'on a une sorte de fantasme de les jeunes. Voilà. On n'accepterait pas, voilà, nous on a à peu près le même âge, d'être considérés comme des personnes de 40 ans, point. On a des parcours différents, on a des façons de vivre différentes, des valeurs différentes, etc. Et les jeunes, c'est bien entendu exactement pareil, qu'on regarde les 18, 25 ans, les 15, 30 ans, peu importe, même si on est sur juste une année, on aura des gens très différents. Et en plus, les jeunes vieillissent, donc au fur et à mesure, ils changent chaque année en fonction des nouvelles choses qui arrivent dans leur vie. Donc, bien sûr, ils ont cette génération-là. Il y a des fondamentaux communs qui sont qu'ils ont vécu la même histoire, au sens vraiment histoire avec un grand H. Ils n'ont pas connu, enfin, pour la plupart, ils sont nés après le 11 septembre, ils sont nés après le 21 avril aussi. Donc, tout ça, ça fait partie pour eux, c'est un acquis. Ils n'ont pas eu ce grand changement qu'il y a pu avoir dans nos vies. Au niveau technologique aussi, ils sont nés en même temps que Google, en même temps que Wikipédia, enfin ils n'ont pas de souvenir du monde d'avant Facebook, toutes ces choses-là, donc oui, ça joue sur eux. Il n'empêche que ce sont des publics très différents. Et aujourd'hui, moi, quand je dois faire des études, notamment sur ces publics-là, j'ai beaucoup de mal à faire une étude basique comme je peux faire avec, avec d'autres publics ou avec d'autres... ou avec d'autres sujets, puisqu'ils changent très vite. Donc ce que je fais de plus en plus, c'est vraiment une myriade d'études, et j'essaye après de mener l'enquête pour voir ce qui est commun dans chacune, les grands traits qui s'en dessinent, etc. Et avant ça, la pierre vraiment angulaire de toutes ces études que j'ai pu faire sur les jeunes, c'était une étude que j'ai faite avec l'Institut Sociovision, qu'on a une infographie là qui montre un petit peu comment on peut... faire une typologie des jeunes. Donc, je ne sais pas si elle est visible à l'écran là en ce moment, mais on a en gros donc l'Institut qui a fait ça. Alors on me fait signe que si. Donc, parfait. Il y a 6 types de jeunesse à l'écran aujourd'hui. Exactement. Donc l'Institut qui a fait ça, en fait, a fait une étude qu'ils reconduisent tous les ans depuis 1975 sur pendant longtemps 2000 personnes et maintenant 6000. Donc avec représentative de la société française et donc une grande partie de jeunes. Là, ils ont fait un focus sur les jeunes et ils ont essayé de représenter un petit peu comment ils se répartissaient dans la société. Et ce qu'on voit, si on choisit deux axes qui ont été choisis par l'Institut quand ils ont vu un petit peu les choses émerger, il y a un axe égo-société. Donc est-ce que ma motivation pour faire les choses dans la vie, c'est de les faire pour moi ou est-ce que c'est parce que je veux changer le monde? Et puis l'autre axe qui est sécurité et intensité. Donc est-ce que je veux vivre de nouvelles expériences ou est-ce qu'au contraire, je recherche plutôt de la protection et de la stabilité? Et ce qu'on voit là, si on veut passer éventuellement à la page d'après, sur ces 6 groupes-là, il y a trois grandes familles qui englobent cela. Donc les influenceurs qui sont assez centrés sur eux et qui sont beaucoup sur les réseaux à mettre en avant leur vie. On les voit beaucoup. Les activateurs qu'on voit beaucoup aussi parce que nous, médias, on aime bien ce qu'ils racontent. Ils ont des choses à raconter justement. Ils veulent changer le monde. Et donc, on trouve ça intéressant. Et donc, la solution de facilité beaucoup dans les médias, c'est de les montrer eux. Et souvent, c'est sur eux qu'on focalise quand on parle des jeunes. Parce que c'est les jeunes qu'on voit beaucoup. Mais au final, quand on les regarde, ils représentent 30% de la population jeune. Là, on est sur les moins de 30 ans. Donc, ce n'est pas énorme. Mais ce qui est très important là pour moi, c'est les 52 autres, les invisibles, qu'on n'entend pas, qui sont souvent assez peu visibles, donc qui suivent ou pas les grands mouvements de société, ou qui sont au contraire vraiment, qui ont plus peur, qui sont recentrés sur leur quotidien, sur la famille, sur tout ça, beaucoup moins sur l'environnement, beaucoup moins sur l'étranger, tout ça, et des gens qui ressemblent beaucoup à leurs parents, au final. Mais dans le lot, il y a les cools avec 20%, et on pourrait se dire qu'au contraire, les cools ne peuvent pas être invisibles. Les cools, ils ne sont pas cools dans le sens branché. Eux, c'est plutôt les lookés ou les fonceurs. Ils sont cool dans le sens tranquille. Voilà, ils veulent pas de conflits. Ils suivent un petit peu ce qui se fait en général. Donc aujourd'hui, les cools, ils suivent beaucoup les gens qu'on voit, sans forcément aller se battre pour les mêmes combats, mais ils vont avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs. Voilà, ils vont être pour l'écologie, le féminisme, etc. Mais ils vont pas aller manifester pour. Ils vont suivre. Voilà. Et ceux-là, ils sont potentiellement influençables entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils suivent beaucoup ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend à droite, à gauche, en politique et autres. Et ils pourraient très bien, à terme, suivre d'autres publics, et notamment les délaissés, qui sont beaucoup plus recentrés sur eux, sur les valeurs françaises, etc. Les cools, ils pourraient éventuellement
bouger un petit peu. Un autre mot sur les invisibles, parce qu'effectivement, on parle de tribu et on voit bien que dès qu'on arrive à faire émerger sa tribu dans les médias, enfin, en l'occurrence plus par des réseaux sociaux, tout d'un coup, ça, c'est assez exponentiel et ça prend très vite. Je pense à des phénomènes récents, comme je sais pas, le body positif, par exemple, qui était évidemment délaissé des médias mainstream, mais qui a émergé avec, avec Instagram. Et après, tout d'un coup, les médias sont à la remorque. Est-ce que ça veut dire que, vous qui êtes dans un grand groupe de médias qui a des antennes un peu partout, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'aller scruter les réseaux sociaux pour réussir à dénicher ces 52%? Alors, ils ne sont pas forcément très visibles, ces 52% sur les réseaux sociaux. Éventuellement, les délaisser un peu plus parce qu'ils veulent se battre, beaucoup. Mais les autres, ils sont vraiment invisibles et ils parlent au final très peu. Et eux, de toute façon, j'ai envie de dire, quelque part, on les connaît. On ne les connaît pas en tant que jeunes, mais on connaît leurs parents. Et en fait, ils ressemblent à leurs parents. Et beaucoup, ce qui est important quand même sur ces cibles-là, c'est de se dire que pour beaucoup de publics, parmi les jeunes, ils ressemblent plus à leurs parents qu'ils ne ressemblent à d'autres jeunes. C'est-à-dire que les fractures qu'on observe dans la société, on les observe aussi chez les plus jeunes. Il n'y a pas de raison, en réalité. Et donc, oui, ceux qui sont pressurisés économiquement, qui voient le déclin de la société autour d'eux, qui voient qu'il est de plus en plus difficile de finir le mois, ça existe pour certains. Ils ont souvent des parents qui vivent les mêmes choses et ils se retrouvent dans les valeurs de leurs parents. Et d'ailleurs, auprès des jeunes, et encore plus auprès des cibles des invisibles, mais auprès de quasiment tous les jeunes, les grandes valeurs qui émergent le plus, c'est les valeurs qui sont exactement les mêmes que celles de leurs parents, qui sont en gros la famille, l'amitié, la nature, même plus que l'environnement, la nature. C'est des choses vraiment qui font consensus à la fois chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Donc c'est pas un monde différent. Ils ont un passé qui est différent. Ils ont des réflexes souvent qui sont différents d'adopter, notamment technologiquement, d'autres plateformes, mais ils ressemblent beaucoup aux plus âgés. Vincent, dans Millennial Burnout, vous montrez bien comment en fait c'est la vingtaine, c'est un âge où on se cherche beaucoup, donc c'est aussi l'âge des extrêmes. Vous prenez l'exemple des consommations en montrant que c'est l'âge où on trouve le plus de véganes et en même temps les plus gros consommateurs de viande, qu'il y a des polarités très fortes. Donc c'est pas vous qui avez réalisé cette étude, mais est-ce que vous la valideriez de votre point de vue d'observateur? Bah, je la trouve intéressante parce que je trouve qu'on y lit en fait toutes les, enfin on y lit vraiment toutes les nuances des classes sociales en fait, et comme quoi on est beaucoup plus déterminé par sa classe économico-sociale, par le destin de ses propres parents, et ensuite son destin en fonction de là où on est né. Donc après, c'est une façon de vouloir qualifier finalement des attitudes ou donc en fait qui sont basées sur des classes économico-sociales. Donc il me paraît pas idiot. Merci. C'est pas là où il y a souvent un discours générationnel un peu idiot, c'est quand on dit les jeunes sont plus, par exemple, sont plus narcissiques, sont plus effrayés, sont plus en recherche de... Quand on fait ces grandes généralités-là, en fait, c'est souvent ça dans le discours générationnel en fait, qui crée du trouble. Après, essayer de comprendre des typologies, c'est une typologie ensuite qu'on pourrait peut-être même faire pour des trentenaires et des quadras en l'ajustant un tout petit peu. Malgré tout, il y a quand même au moins, à minima, un sujet qui vraiment crée du conflit générationnel. C'est quand même les questions environnementales, à voir si ça se vérifie dans les faits. Je crois que vous avez envie de me détromper. Mais la fameuse expression de cette députée néo-zélandaise, OK Boomer, qui depuis a fait florès pour opposer ceux qui ont eu effectivement tous les avantages du baby-boom sans avoir à se préoccuper du dérèglement climatique. Et la génération qui est née après les années 2000, qui voit bien que quand on parle d'un monde apocalyptique en 2050, par définition, elle aura à peine 50 ans. Cette opposition-là, elle est quand même assez justifiée. Enfin, moi, je suis allé à un certain nombre de marches pour le climat. C'est vrai que la moyenne d'âge des manifestants, elle est très basse. Alors, il y a eu une étude sur la sociologie en fait, des publics dans ces marches-là. Et c'est vrai que c'était, vu qu'il y a eu le mouvement aussi avec le Climate for Youth, avec Greta Thunberg et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment des jeunes qui ont vraiment investi les rues. Mais donc, l'étude montrait qu'en fait, il n'y avait pour le coup pas de polarisation générationnelle, mais beaucoup plus au niveau de la classe et au niveau des idéologies. Ça a été beaucoup la jeunesse en fait, des enfants de parents de gauche qui étaient plutôt CSP+. Après, si on veut revenir sur la perception de ce qui est très, mais c'est normal aussi parce que c'est les paradoxes de la jeunesse, c'est qu'ils vont se dire très très sensibles à l'environnement, très sensibles à l'écologie, mais en même temps en fait ils vont avoir des comportements et des usages en fait excessivement polluants et vont aussi dire que la consommation c'est très important en fait et vont aussi vouloir voyager. Quand on regarde dans les usages, ceux qui ont paradoxalement les usages les plus éco-responsables, ça va plutôt être les baby boomers, enfin les jeunes baby boomers en fait qui eux en plus sont aussi des enfants des années 70 en fait et qui ont donc aussi baigné
renier avec toute cette, on va dire, cette idéologie environnementale. Je suis pas sûr en fait qu'il y a un tel, même l'expression OK boomer. Bon bah il y a même un nouveau livre qui vient de sortir. OK millennials. Je pense en fait que c'est une réactivation permanente qui est souvent une activation soit politique, soit médiatique, quand elle n'est pas marketing ou managériale, en fait, de ces mêmes volontés en fait de mettre en scène du conflit de génération, parce que ça permet aussi de soit de vendre des nouvelles idées, soit de transformer un petit peu, soit de vendre, et voilà, de trouver des comme s'il y avait des ruptures anthropologiques permanentes en fait, donc des nouveaux individus avec des nouvelles attentes, donc il y a des nouvelles choses à lui fournir, mais c'est et le conflit des générations tel qu'il est mis en scène là, c'est surtout aussi une manière, j'ai l'impression en fait, de pas vraiment prendre en fait les responsabilités qui sont à prendre en fait, et donc en fait de morcéliser tous ces combats qui sont non pas des combats de génération mais des combats d'époque et des thèmes d'époque en fait, et l'atomiser et en faire une sorte de mise en scène d'affrontement qui reste assez stérile et qui n'est pas la réalité du tout de ce que vivent pour le coup les jeunes, parce qu'on voit bien que même pour le coup l'amour familial et la transmission intergénérationnelle, qu'elle soit des valeurs ou qu'elle soit économique, n'a jamais été aussi forte. Emmanuel, vous abondez ? Complètement, et notamment sur leur ambivalence à la fois de défendre le climat et de polluer beaucoup. C'est ce qu'on reconnaît beaucoup, et là je retrouve le concept de tribu en réalité, parce qu'il y a des grandes classes comme ça. Il existe plein de tribus, effectivement, mais pas du tout au sens où nous, on l'aurait vu il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on est dans une tribu et point. Je pense qu'on est assez influencé aussi par notre vision médiatique des choses, dans le sens où pendant longtemps, avec les médias de masse, on vivait tous un petit peu la même chose en même temps, ce qui n'est plus du tout leur cas à eux. Ils ont l'habitude, eux, cette génération-là, pour le coup, d'avoir chacun de leur façon, mais plein de personnalités. Et ces îles, ces tribus, elles existent, mais elles ne sont pas du tout enfermantes. Au contraire, ils passent très facilement de l'une à l'autre. Donc dans ce contexte où ils ont leurs valeurs communes, etc., ils vont avoir des côtés parfois très engagés, d'autres parfois vraiment dans l'hédonisme, etc. Et ils vont passer, en fonction du contexte, des sujets traités, des gens avec qui ils sont, d'une tribu à une autre. Et le dimanche, elle y manifestait... pour la sauvegarde de la planète, et puis le lundi aller s'acheter le dernier iPhone ou le dernier smartphone à la mode, voilà, selon leur revenu, mais c'est pas du tout incompatible dans leur esprit, voilà. Ils ont des combats auxquels ils croient vraiment, mais qu'ils expriment de façon différente, et des personnalités qui s'expriment de façon différente en fonction du contexte. Alors pour prolonger ce que vous dites, parce que je vois le temps qui va nous rattraper, puisque vous parlez des identités en ligne qui sont différentes. Vincent, dans la génération du cocon, vous avez... Excusez-moi, c'est la civilisation. La civilisation du cocon. Et c'est important, parce que justement, vous ne parlez pas que des jeunes. Mais dans la civilisation du cocon, vous avez commencé à l'écrire avant le confinement, mais évidemment, vous avez beaucoup continué à regarder. Forcément, on avait plus de temps parce qu'on était confinés, donc ouais, ça permettait de regarder énormément d'études. Et vous vous êtes posé la question de savoir, pour des jeunes qui avaient connu moins d'espace de liberté avant, ce que le confinement pouvait produire, le fait de se retrouver tout d'un coup dans des safe spaces. Et est-ce qu'on retrouvait ces safe spaces vitaux en ligne? Et en fait, ce que vous vous dites, c'est plutôt que oui, et que contrairement à certaines idées reçues, les jeunes en ligne ne sont pas toujours dans une culture du clash ou du harcèlement permanent. Au contraire, ils seraient plutôt invisibilisés, pour reprendre la typologie d'Emmanuel. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, je trouvais que c'était surtout visible pendant le tout premier confinement, en fait, où il y a eu cette volonté. Il y avait même un groupe qui s'appelait les Corona Anxieux United, en fait, où chacun venait un petit peu pouvoir dire comment il ressentait cette séquence extrêmement anxiogène. Donc, bon, en fait, voilà, ce que j'ai voulu en fait avec ce livre, La civilisation du cocon, c'est qu'un des derniers grands stéréotypes générationnels qu'on accolait à la génération Y ou aux milléniaux, ou même à la génération Z, c'était en gros, vous êtes des peureux, vous êtes des chochottes, vous avez peur de tout et vous êtes dans une quête de safe space et de confort permanent. Et ce que j'ai essayé de montrer à travers ce livre-là, c'est qu'en fait, ce besoin de protection, cette quête permanente de confort, cette envie d'entre-soi et de communauté miroir, elle date de bien plus longtemps. Elle date, selon moi, vraiment du milieu des années 80. Et aujourd'hui, elle infuse toutes les classes d'âge. Donc j'essayais de montrer en fait que ce besoin de protection, ce besoin voilà, de confort et cette envie d'un peu de tout domicilier, de faire venir le monde à nous et de ce fantasme quasiment, un petit peu même de sécession un peu qu'on peut avoir, eh ben, aujourd'hui infusait les différentes classes,
même économique, parce que c'est un phénomène qui avait d'abord touché les classes plutôt populaires à la fin des années 80, qui étaient vraiment dans un retour au foyer. C'était le petit pavillon de banlieue, la petite cabane au fond du jardin. C'est le début du marché du jardinage, de la décoration. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui s'étend vraiment par-delà les générations et les classes économiques, à mon sens. Et ça, c'est juste pour reprendre la thèse de Hartmut Rosa sur l'accélération, c'est juste parce que les changements de monde vont trop vite et que donc on a besoin d'avoir des repères permanents, en fait. Et c'est ça dont vous dites que ça commence dans les années 80, donc l'explosion de la mondialisation. Oui, voilà, c'est aussi avec cette grande promesse de la modernité, en fait, de l'individualisation pour tous, en fait, de pouvoir être le guide de sa propre vie au niveau économique, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et finalement, avec aussi une décennie qui était dans son idéologie et dans son imagerie, quelque chose qui était à la gloire de la réussite pécuniaire, avec vraiment le Golden Boy comme figure un peu paroxystique de cette décennie-là. Et ça a été la décennie un peu de la désillusion pour beaucoup d'individus, parce qu'ils ont bien compris que cette grande promesse de la modernité, ils n'allaient pas pouvoir forcément l'atteindre, parce qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes capacités de performance, d'adaptation, de réinvention. Donc en fait, c'est qui a été plutôt touché de plein fouet par ce mouvement-là, ça a plutôt été les catégories populaires qui ont eu comme réflexe une sorte de réinvestissement du foyer, comme si un petit peu ils abandonnaient une société dont ils ne partageaient plus les valeurs, ou du moins ils sentaient bien qu'ils n'étaient pas eux, ils n'avaient pas forcément leur place. Alors peut-être, je vois qu'il nous reste quelques minutes pour conclure, finir, ouvrir sur les conflits de génération, puisque effectivement la figure du trader ne fait plus rêver parce qu'on se rend compte que c'est plus compliqué. En cette rentrée littéraire, il y a énormément de livres qui reviennent sur les mythes qu'on a vendus aux jeunes, comme La méritocratie, qui est un livre de Annabelle Alouche, ou Paul Pasquali, un sociologue, qui va jusqu'à parler d'héritocratie. Et du coup, on sent une certaine forme de polarisation dans la jeunesse, d'envie un peu d'en découdre en disant vous vous êtes moqué de nous, en fait, on n'aura pas le droit au fait de vivre aussi bien que vous. Est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances un peu inattendues entre certaines tribus, un peu comme entre les Lannister et les Stark dans Game of Thrones, pour venir affronter l'armée des morts, qui serait donc les boomers? Sur le futur, effectivement, il y a on peut aussi les regrouper comme ça, cette vision de demain qui diffère vraiment selon les groupes, avec, pareil, toujours les groupes qu'on veut le plus, parce que c'est ceux qui manifestent et ceux qu'on voit beaucoup, qui sont pour un renouveau du local, et puis penser demain au niveau d'une transition écologique. Il y a ceux qui sont tout à fait satisfaits de la situation actuelle de mondialisation, qui trouvent que c'est une bonne chose, et puis ceux qui sont plutôt sur un réflexe de protection. Donc on voit trois grands groupes encore ici qui se dessinent, avec des gens qui sont un petit peu à la limite. Donc les conformistes et les cools, qui représentent donc quand même à eux deux un tiers de la population, qui sont un peu dans l'entre-deux et qui pourraient se faire entraîner, qui aujourd'hui sont presque un petit peu entraînés par tous les engagés, donc vraiment par les Greta Thunberg et autres, qui drainent un petit peu les idéaux de grande valeur, etc. Mais ce qu'on voit en ce moment se dessiner au niveau global de la population française, avec l'émergence, notamment avec Zemmour, dont on parle de plus en plus, ça, c'est aussi vrai chez les jeunes. Et donc, plus ils vont être visibles, les délaissés, plus potentiellement ils vont attirer vers eux les conformistes et les cools, qui sont en gros les populations qui sont plus suiveuses en réalité, et qui peuvent suivre avec envie ou pas d'en découdre. Soit des engagés, donc d'aller s'engager un petit peu pour l'environnement, tout ça, soit vraiment de se replier sur soi-même et dans une posture beaucoup plus défensive. Est-ce que vous partagez, Vincent, parce que j'ai vu qu'il y avait un groupuscule les jeunes avec Zemmour, mais pour l'instant la typologie du vote de celui qui n'est pas candidat mais dont tout le monde parle tout le temps, elle est plutôt assez chenue, elle est plutôt assez âgée, c'est plutôt des gens qui fantasment une France des années 50, quoi. C'est plutôt les déçus du RPR, ouais, le fait qu'il n'existe plus en tout cas. Les Millennials connaissent assez peu le RPR. Voilà, c'est ça. Mais enfin, du coup, on a dû lire les mêmes études sur cette typologie-là. Et enfin, pour l'instant, les plus jeunes qui étaient en tout cas attirés par le vote pour le Rassemblement National sont encore plus, du moins valident plutôt encore Marine Le Pen. C'est plutôt des personnes un peu plus âgées, avec un capital économique assez et culturel aussi pour le coup assez élevé, et plutôt en province, qui c'est un peu les barons de province, quoi, pour l'instant, qui sont très très sensibles au vote Zemmour, mais ça peut évoluer, j'imagine. Et ça veut dire, parce que pour conclure tout à fait, quand on a ouvert cette table ronde, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait définir une génération. Qu'est-ce qui vous paraît du coup être les facteurs vraiment clés d'appartenance pour retrouver ces groupes au sein même d'une génération? C'est d'abord la CSP, puis le territoire, ou l'inverse?
Alors, je pense qu'il y a, il y a d'abord, à mon sens, la CSP, et ensuite le territoire, et ensuite les représentations culturelles, en fait, et le domaine culturel qu'on va investir, en fait. C'est en fonction si ça peut être certains, les séries, les jeux vidéo, des fois ça va être le pari en ligne, des fois ça va être le foot, ça va être... Il y a aussi des imaginaires, en fait, qu'on pourrait un petit peu, quelque part, articuler à travers ces différents sociotypes. Donc, je pense que, oui, c'est d'abord ces deux choses-là qui peuvent nous aider à analyser en tout cas les trajectoires possibles et les attentes et les valeurs en fait d'une époque à un instant T. Mais loin devant les pratiques. C'est-à-dire que souvent on résume, on dit les jeunes jouent aux jeux vidéo ou font ceci ou cela. Non, il faut arrêter. Je pense que ça, les représentations culturelles arrivent plutôt en troisième, ouais. À mon sens. Emmanuel, petit mot de la fin. Et puis il y a jeux vidéo aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme dire que les sexagénaires regardent la télévision. Voilà, il y a de tout là-dedans, et il y a tout dans les jeux vidéo et plein d'idéologies potentiellement aussi, plein de choses différentes. Donc ils ont certes des médias qui sont pas forcément exactement les mêmes que ceux de leurs aînés, qui sont beaucoup plus individualisés, mais qui sont du coup extrêmement différents et probablement encore plus différents que pour les générations précédentes, donc encore plus difficiles à schématiser. Donc, en un mot, si la table ronde qui nous avait été proposée avait un point d'interrogation à la fin, génération Z, génération tribale. Oui, en partie, en se rappelant que c'est vrai que la première tribu, c'est la famille qui est vraiment excessivement investie ces dernières décennies. Et oui, aussi, sur effectivement, il y a un archipel de tribus, mais ils naviguent énormément entre les différentes îles de cet archipel. Ils bougent. Impeccable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, merci. Toutes et tous qui nous avez suivis. Merci. On revient dans quelques minutes pour parler de Twitch. Merci.